Le PSG doit-il changer sa politique sportive pour pouvoir gagner la Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort de partir. Alors, le PSG, comme chaque année, en fin de saison, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut au PSG pour franchir un cap en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'il faut au PSG pour remporter la Ligue des Champions? Pour moi, ce qu'il faut, il faut d'abord réorganiser l'organigramme. Savoir qui fait quoi, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Et Nasser doit laisser le plein pouvoir aux entraîneurs. Voilà là où il y a le problème. Voilà là où il y a tout le problème. Nasser doit laisser le plein pouvoir aux entraîneurs, les gars. Nasser doit laisser le plein pouvoir. J'écoutais l'interview de Samir Nasri, là où il disait que on compare souvent Manchester City et le PSG, mais sauf que City, le promoteur de City, il laisse tout au gérant. Il laisse tout au gérant. Donc, il ne se mêle pas du sportif. Son travail, c'est nommer les gens. Une fois qu'il a nommé les gens, il laisse les gens gérer. Il ne se mêle pas du sportif. Contrairement au PSG, là où Nasser veut mettre le nez partout. Nasser veut mettre le nez partout. Le recrutement, le joueur, le marketing, etc. Tant qu'ils seront dans cette politique, ça ne marchera pas. Même si tu mets peut-être Mourinho, pour moi, ça ne marchera pas. Les grands entraîneurs ne viendront pas avec cette politique. Le PSG va rester ainsi. Ils vont seulement gagner la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ils vont toujours se faire ridiculiser. Parce que derrière, il n'y a pas une bonne politique sportive. Nasser doit arrêter de mettre sa bouche sur le sportif. Il doit laisser l'entraîneur les mains libres. On l'a vu, Pochettino n'avait pas les mains libres, Tuchel n'avait pas les mains libres, Carlo Ancelotti, c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il a constaté qu'il n'avait pas les mains libres. Donc pour moi, le gros problème vient de là-haut. Le gros problème du PSG vient des dirigeants. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.